En gros, il fait un peu froid pour jouer sur la map, hein. On va s'habiller pour jouer à Call of Duty Black Ops 3. Une grosse veste par-dessus la veste, il fait vachement froid. Un petit bonnet que j'avais quand j'avais 10 ans. Un autre bonnet parce qu'il fait vachement froid. Pour le style casquette quand j'avais 10 ans. Ah les amis, la petite écharpe que je vous sors. La petite écharpe du campeur, j'avais 5 ans. La petite écharpe très importante. Et on n'oublie pas les gants, gros. Yo les gars, NoFox commande pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis. La patate, la bouillabaisse jusqu'au sourcil aujourd'hui. Toute une nouvelle vidéo. Attendez, on va quand même enlever un petit peu les choses. Ok, l'écharpe on va l'enlever. Et pour le style on va quand même garder la grosse veste les amis, vous savez quoi. Aujourd'hui les amis on va parler de Call of Duty Black Ops 3. Ça y est, le jour du gaming il est là. Aujourd'hui on va vous apprendre tout simplement comment réaliser la nucléaire de Call of Duty Black Ops 3. C'est-à-dire une sanguinaire. Ne t'affole pas gros. Je sais, il faut faire 5 kills d'affilée pour réaliser la nucléaire de Black Ops 3. Mais grâce à mes conseils, tu vas pouvoir réaliser cette nucléaire facilement. Bref, The French Tuto, comment faire la nucléaire de Black Ops 3. Tout d'abord, tu l'as vu dans l'intro gros, il va falloir être couvert. Il va falloir que tu te couvres vraiment quand tu joues à Call of Duty Black Ops 3. Parce que dans les coins, il fait froid. Normal, t'es statique dans ton coin, on se pèle les couilles gros. Il faut vraiment que tu sois avec une tenue apte à ton style de jeu ma biche. Donc tu te couvres. C'est pareil, hein. Les gens qui jouent par terre, qui jouent allongé, il fait froid par terre. On se couvre les gars. Première astuce, voilà, l'astuce qui tue, tu l'as compris. Une fois que t'as ta belle tenue, tu vas devoir trouver ton petit spot. Alors il va te falloir tout simplement un petit coin. N'importe quel coin tu le prends, c'est ton coin. C'est le tien mon ami. Tu vas protéger ce coin comme si tu protégeais ta famille. Firebreak refroidi. Outrider, mort au combat. Est-ce que tu m'as bien compris? Ça joue comme ça sur Call of Duty Black Ops 3 maintenant. C'est fini les déplacements. On s'en fout. J'entends quoi sur le PSN? Ou espèce de campeur? C'est pas un campeur gros. Il a son joystick défoncé. Une fois que t'as trouvé ton corner, mon pote, tu peux casser ton joystick, tu vois la manette. T'en as plus besoin de ce joystick, c'est fini. Écoute-moi bien, sur Black Ops 3, je suis sûr qu'il y a des mecs, ils ont même pas besoin de ce joystick. Ils réapparaissent, hop, ils s'allongent, c'est fini gros. Ils font leur partie. Bon, ça y est, entre toi et moi, tu as ton corner, tu es bien habillé maintenant, il va te falloir la microstation. Mais calme-toi, gros, tu n'es pas level 48, il n'y a pas de souci. La microstation de Black Ops 3, c'est tout simplement un drone. Voilà. Ben ouais, gros. Le drone est plus efficace que la micro dans ce jeu. N'importe quoi. La micro dure 20 secondes. Non, mais je rigole pas, 20 secondes. Tu sers, tu galères pour la débloquer. Elle sert à rien, elle dure 20 secondes et les ennemis peuvent la détruire. Donc c'est simple, tu prends le drone. Une fois que t'auras ton drone, c'est 5 kills d'affilée, t'auras débloqué la nucléaire de Call of Duty Black Ops 3. La fameuse médaille sanguinaire. C'est ça qu'on veut les amis aujourd'hui. On veut cette médaille sanguinaire. C'est la nuque de BO3 gros. Trop compliqué les séries. Bon, on récapitule ma biche. T'es bien couvert, t'as ton corner, t'as ton drone d'équipé. Maintenant, il va te falloir une arme, gros. Une bonne arme. Et quoi de mieux qu'une sulfateuse? La Gorgon, gros. Prends ta Gorgon, tu te mets sur Newton et là, ta, tu bouges plus, frérot. Here we go. Et voilà. Tu as les principales astuces du joueur de Call of Duty Black Ops 3 en 2015. Comment réaliser une nuque sur BO3, c'est simple. Être bien couvert, camper dans un coin, avoir une sulfateuse. Tout simplement les amis. Et alors là, dernière astuce les gars. C'est un conseil
de Cadavelo. Je te conseille de partir à SFR ou Numéricable ou ce que tu veux et tu prends la fibre 100 mégas de coup, tu vas les défoncer. Allez vous faire enculer 60 mégas. J'ai 8 mégas, je galère à mettre 2 balles et faire enculer, hein. Tu m'as bandé toi, tu sais quoi? Black Ops 3 m'a bandé. Les connexions m'a bandé. Vos armes cheatées m'a bandé. Vos spécialistes la faux, tu veux jouer, tu veux faire une nucléaire, prends ta faux. M'a bandé. La PS4, les connexions m'ont bandé. Bref, Black Ops 3, je m'en bandé gros. Bref les gars, petite vidéo humoristique, je pense que vous l'avez compris. Je critique avec mon petit humour un peu décalé Call of Duty Black Ops 3 et surtout la communauté, parce que communauté de cul, on en a jamais vu comme ça les gars. Des campeurs à tous les coins de map. Michel, il est en train d'arroser sa plante. Jean-Michel, lui, c'est le partenaire qui nettoie. Non, bref, j'aime bien Black Ops 3. Les connexions sont enfin un petit peu améliorées. Les campeurs, c'est pas ça, mais bon, c'est pas Activision qui vont les virer. Bref, en tout cas, si la petite vidéo t'a plu, je sais pas si t'as rigolé, si t'as trouvé mon humour un minimum comique, mais je t'invite à lâcher un putain de like, gros. T'imagines même pas le montage qui m'attend pour cette vidéo. Le petit commentaire, ça fait ultra plaisir, les biches. Vous défoncez avec vos commentaires. Et si vraiment t'es Shogun Tunnel, tu t'abonnes à la chaîne. 1850 abonnés, on les a enfin, les gars. Retour de cas. Je vous aime, les gars. Et puis moi, je vous dis tchou, les gars, c'est nos phrases. Allez, kiss.